Mein Name ist Hüseyin Tekay. Ich bin Deutsche, ich bin Europäerin und ich bin Menschenrechtsaktivistin. Elle se bat pour un monde meilleur. Hüseyin Tekay est journaliste et correspondante de guerre spécialisée sur la Syrie et sur l'Irak. Je lui ai demandé si un événement l'avait particulièrement marqué. 2014, sans hésiter. En Irak, l'État islamique commet un génocide contre la communauté yézidi dont elle est originaire. Les hommes sont massacrés par milliers, les femmes et les filles forcées à devenir esclaves sexuels. À ce moment-là, Hüseyin a le sentiment que cela n'intéresse pas la population internationale et ressent le besoin de mettre en lumière cette tragédie. Voici le message qu'elle nous adresse. Als Deutsche, als Europäerin mit jesidisch-kurdischen Wurzeln weiß ich, Frauenrechte müssen auch außerhalb Europas verteidigt werden. Avec sa sœur, Hüseyin fonde l'association Hawar, qui défend les droits des femmes, des enfants et des minorités victimes de persécutions. Hawar leur donne accès à l'éducation et à des projets de développement. Pour ses actions, Hüseyin a reçu l'Ordre du Mérite, la distinction la plus prestigieuse en Allemagne. Quand elle pense à l'Europe, un mot résonne en elle. Heimat. L'Europe est son foyer, celui dans lequel elle a pu s'épanouir et grandir en sécurité. Hüseyin Tekay s'est promis d'aider celles et ceux qui n'ont pas eu cette chance.